Je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition, Mme la députée de Joliette. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je veux souligner la présence dans nos tribunes aujourd'hui des représentants des travailleurs en local de l'usine Ashgrove de Joliette, dont le président du syndicat, Monsieur Éric Giasson. Alors, Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Viaud, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, le député de Bonaventure, le député de Chaumédé et le député de Rimouski, la motion suivante. Considérant que les travailleurs de l'usine Ashgrove de Joliette sont en lock-out depuis le 22 mai 2021, soit depuis plus de 10 mois. Considérant l'absence d'avancement dans les processus de négociation et de médiation. Considérant le recours répété par l'employeur à des briseurs de grève, lequel a été reconnu par le Tribunal administratif du travail, qui a d'ailleurs statué que la notion d'établissement doit inclure les pratiques de télétravail, décision faisant néanmoins l'objet d'une révision à la demande de l'employeur. Considérant que l'employeur importe de surcroît de l'étranger un matériau qui est produit en temps normal par les travailleurs, ce qui en fait une autre pratique assimilable à du travail de briseur de grève. Considérant l'urgence que les travailleurs puissent retrouver leur travail, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de reconnaître l'inégalité des rapports de force découlant de telles pratiques et l'urgence que des actions soient posées afin de rétablir un équilibre pouvant mener à la fin du conflit. Merci. Est-ce que consentement pour débattre de cette motion? Votre consentement. Votre consentement.